peine désigné au poste de sélectionneur du Burkina Faso, Paulo Duarte est déjà sur pied. La confiance en leur chauffeur. Pour son premier week-end à Ouagadougou, direction le stade du 4 août. Il y a plus de trafic, plus de motos, plus de voitures. C'est comme l'Égypte, c'est comme le Caire. Confusion. On est où là, Paulo? Grand stade, le stade de la victoire. Donc, je ferai 3-1. Je suis encore dans le stade de la fête. Ça va. Merci. Si le Portugal a toujours une cote au Burkina, l'on n'ignore pas que sa dernière à la tête des étalons avait à la fin laissé un goût amer dans le vestiaire. J'ai un ou deux problèmes qui s'est réglé, à beaucoup de temps déjà, mais qui s'est réglé. Les gens pensent que c'est pas réglé, mais c'est réglé. Mais ce problème, c'est pour régler le respect du groupe, c'est pour mettre la discipline. Ce n'est pas parce que les joueurs n'aiment pas moi comme homme ou comme coach. Ce n'est pas parce que moi, je n'aime pas le joueur comme homme ou comme joueur. C'est pour que chacun comprenne qu'il y a un poste. Le poste joueur, le poste coach, le poste de leader. Et en même temps, une amitié entre tous parce que nous sommes une famille. Et aujourd'hui, je peux dire que cette groupe me comprend bien, cette groupe me respecte, il n'a pas aucun souci. Le Burkina en course pour la qualification pour la CAN 2017 souffre d'un manque de dynamisme et d'un apport nouveau à l'effectif. D'où la supervision déjà de Paulo Duarte dans le championnat local. On commence à chercher. Il faut réapprocher le joueur, il faut renforcer le groupe. Il faut le faire sentir bien les pieds sur la terre et dire que si le groupe n'a pas la force comme avant, si le groupe ne joue pas avec la balle, avec la même qualité comme on joue avant, mais sans la balle, avec la même intensité, la même volonté de le gagner, ça sera difficile. C'est ça notre premier objectif, c'est donner plus de consistance physique et capacité de souffrir à cette équipe et en même temps renouveler doucement. Si bien que je pense qu'on n'a pas une équipe très âgée, comme tout le monde dit. 2 mois, c'est le temps qu'il faudra au Portugais pour relever son premier défi. Détrôner l'Ouganda de sa première place du groupe dans les éliminatoires pour la CAN. C'est possible, c'est jouable, nous sommes obligés de faire maxime. Et si on gagne notre système de jeu, si on gagne notre organisation, je sais que nous sommes plus proches de gagner à Ouganda comme aux autres adversaires. Tout compte fait, en terrain connu, Duarte a 2 ans pour se racheter avec pour échéance une place pour Gabon 2017 et une qualification historique pour le Burkina à une phase finale de Coupe du Monde.